Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce coup de projecteur. Vous avez sans doute entendu parler de la crise que traverse le géant de la promotion immobilière en Chine, qui s'appelle Evergrande, un nom poétique. Le spectre de la crise de 2008 réapparaît dans les médias, mais cette fois avec un démarrage en Chine. Après tout, la Chine étant en train de devenir la première économie mondiale, à tout seigneur, tout honneur, cela n'est pas tellement étonnant. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à la portée de cette affaire et surtout des conséquences que nous devons en tirer. Donc autrement dit, le but de cette vidéo n'est pas de disserter sur Evergrande, bien que le sujet soit très intéressant et instructif, il est de situer ce qui se passe en Chine en ce moment dans le cadre global de la question financière de l'économie européenne et mondiale, d'ailleurs, européenne, occidentale et mondiale, depuis quelques décennies. Est-il utile de rappeler que je ne détiens pas la vérité révélée et que le but de la vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qui se passe pour anticiper l'avenir et défendre nos intérêts. C'est déjà pas mal. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est de plus en plus limitée, de plus en plus encadrée. Pour garder contact avec moi, quoi qu'il arrive, vous pouvez vous inscrire à mon blog et ma newsletter, ce n'est pas difficile. Vous avez des liens dans la partie au-dessus de la zone commentaire, donc par le plus PLES majuscule. En faisant cela, vous pourrez non seulement garder le contact avec moi, mais en plus ce sont des espaces de liberté qui resteront des espaces de liberté sur lesquels nous pouvons, moi, vous, nous exprimer sans réserve, mais il est quand même agréable de pouvoir dire exactement ce que l'on pense sans se soucier des effets que cela peut avoir sur ou un modérateur ou un algorithme de censure. Revenons-en à Evergrande. Quels sont les faits? Disons, je rappelle les faits pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas suivi cette affaire. Alors, Evergrande, c'est le deuxième promoteur immobilier de Chine et on a découvert récemment, à l'occasion justement des déclarations que je vais vous indiquer tout de suite, déclarations qu'il a faites, eh bien qu'il a à son bilan pour 260 milliards de dollars de dettes. Alors 260 milliards de dollars, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Pour situer les choses, on va dire que 260 milliards de dollars, c'est plus de 10% du PIB français. 260 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires des plus grandes entreprises mondiales. Alors certainement qu'Evergrande est une très grande entreprise de promotion immobilière, puisque la promotion immobilière en Chine, ça se fait quand même sur une certaine échelle, mais on voit tout de suite qu'à ce niveau de dette, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, Evergrande a déclaré, je cite, qu'il risquait de ne pas pouvoir faire face à ses échéances financières. Bon, en langage normal, dans tous les pays du monde, ça veut dire que la société est en faillite. Le mot n'était pas officialisé quand je préparais cette vidéo. Peut-être depuis l'est-il. Toujours est-il que, techniquement, Evergrande est en faillite. C'est un scénario qui ressemble beaucoup au début de l'effondrement financier et planétaire de 2008. Et c'est d'ailleurs cela qui nous intéresse dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir plus strictement sur le sujet de l'affaire Evergrande, qui est une affaire d'ailleurs très intéressante, j'ai mis dans la partie description sous la vidéo, toujours accessible par le plus PLES majuscule bien sûr, un lien vers l'interview par le magazine Marianne de l'économiste Véronique Grich-Lorès sur la genèse de cette crise et également les conséquences qu'elle y voit au niveau mondial. Alors, revenons maintenant à nos moutons, au cœur de cette vidéo. Quel est le fond de l'affaire dans cette histoire d'Evergrande? Le fond de l'affaire, c'est que la croissance mirifique de la Chine repose sur un endettement gigantesque des entreprises. Il est de bon ton depuis maintenant très longtemps, depuis 20 ans, de citer la Chine en exemple pour sa croissance, pour son développement, sa discipline, pour la réussite du Parti communiste chinois dans la prise en main de la société, pour en même temps, on va dire, tenir cette société gigantesque et assurer la prospérité. On nous rappelle que 400 millions de Chinois désormais ont des revenus qui font d'eux, qui les mettent au niveau des classes moyennes mondiales, etc. Tout ça est sans doute vrai,
peut-être y a-t-il aussi un peu de propagande, mais derrière les choses extraordinaires, en général, il y a des trucs. Alors, derrière ce type de résultat en Occident, on sait que le truc, c'est l'endettement. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil en Chine. Et ce qui se passe maintenant, ce qui arrive à Evergrande, c'est une nouvelle illustration, mais cette fois version chinoise, version orientale, que l'endettement massif se termine par la faillite. Alors, quand je dis se termine par la faillite, je veux dire que la vocation naturelle de l'endettement massif, c'est la faillite. Et évidemment, tout le deal, tout le sujet des gouvernants, des banques centrales et des autorités monétaires et économiques, c'est d'essayer de trouver des solutions pour en sortir sans passer par la case faillite. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Ce qui s'est passé en 2008 avait été une tentative d'en sortir, enfin, et les conséquences plutôt d'une tentative d'en sortir, et depuis, on n'a toujours pas trouvé la sortie. Alors effectivement, les médias ont raison de faire référence à la crise de 2008. Il y a une grande similitude entre ce qui se passe dans l'économie chinoise actuellement avec les prémices de la crise 2008. On va dire, ça c'est l'aspect purement factuel, c'est-à-dire c'est la forme. Il faut quand même souligner ces points communs. Comme il y a 13 ans aux États-Unis, Evergrande peut avoir un effet domino en Chine, effet dévastateur, d'autant que les autres promoteurs immobiliers en Chine sont aussi en danger. S'ils tombent, suivront leurs fournisseurs en Chine et hors de Chine, c'est ça la mondialisation, et également les investisseurs et les prêteurs étrangers dans les entreprises chinoises. C'est encore ça, la mondialisation, qui seront donc touchés. Comme en 2008, tout commence par une croissance économique, boostée pendant des années précédentes par un recours débridé à l'endettement, confère le cadre général que je viens de vous rappeler, et l'endettement, ça veut dire la création monétaire. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est un resserrement monétaire par les autorités politiques dans le but de contenir cet emballement. Aux États-Unis, en 2008, ça avait été la Banque centrale qui avait augmenté ses taux, enfin qui était en train d'augmenter ses taux depuis 2004. Elle les avait augmentés 17 fois sur la période. En Chine, c'est une autre méthode, c'est le gouvernement qui, depuis 4 ans également, même durée, essaie de reprendre en main la situation financière, d'abord par des exhortations à la sagesse, puis par des menaces, et maintenant par la contrainte, c'est-à-dire que depuis le mois de janvier de cette année, le gouvernement chinois a édité ce qu'il appelle les trois lignes rouges. Et les trois lignes rouges, c'est l'obligation pour les entreprises de respecter des ratios financiers plus orthodoxes qu'ils ne le sont actuellement dans leur bilan. Et bien sûr, ni Evergrande ni les autres entreprises chinoises ne peuvent le faire sans se mettre en difficulté, tout simplement parce qu'une entreprise ne réduit pas son recours au financement externe du jour au lendemain. Sans en subir des conséquences graves. Quelque part, c'est un malade qui a absolument besoin d'oxygène, qui est sous oxygène depuis des années, à qui on dit ben maintenant tu vas te débrouiller sans oxygène. Et d'ailleurs, si tu pompes de l'oxygène, boum, on te tape sur les doigts. Le troisième acte, c'est la cause du resserrement monétaire, c'est-à-dire la chute d'une grosse entreprise bourrée de crédit qui peut entraîner les autres par effet domino. Bon, évidemment, là je suis en train de vous raconter ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008, mais vous reconnaissez aussi ce qui est en train de se produire avec Evergrande. Et le quatrième acte, c'est le refus de sauver un acteur de premier plan, victime des conséquences du resserrement du crédit, refus de la part de ceux qui peuvent le sauver, c'est-à-dire le gouvernement, et donc les instituts d'émission, c'est-à-dire les banques centrales. Alors là, pour l'instant, vous ne reconnaissez pas ce qui se passe en Chine, sans doute parce que vous n'avez pas suivi l'affaire Evergrande, donc vous ne savez pas ce qui se passe, mais même si vous avez suivi, vous savez qu'actuellement, on n'en est pas là. Enfin, il y a quelques jours, quand j'ai fait la vidéo, on n'en était pas là. Par contre, si vous vous rappelez de 2008, vous reconnaissez ce que George Bush, le président de George Walker Bush, avait fait avec la banque Lehman Brothers. Il avait purement et simplement refusé
de venir à son secours quand elle est venue pleurer en disant « on est sur le point de faire faillite, on a, je crois, 670 milliards de crédit, de défaut de crédit sur le dos, on coule ». Et Bush avait répondu bon, « vous n'avez qu'à pas faire les cons, ça ne vous est pas arrivé comme ça, 670 milliards de crédits défectueux sur le dos ». Voilà. Et ce faisant, il voulait faire un exemple pour dire à l'ensemble des acteurs financiers américains « ça fait des années que vous faites n'importe quoi, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas trop gros pour que le gouvernement ne vous laisse pas tomber, je laisse tomber Lehman Brothers, qui était à l'époque, je ne sais pas, la deuxième ou troisième banque américaine, la première banque d'affaires, me semble-t-il. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les enchaînements des choses sont tout à fait logiques. Lehman Brothers étant en train de couler, la main qui aurait pu l'empêcher de sombrer ne s'est pas tendue, et Lehman Brothers a été en faillite immédiate. Donc la question est, le gouvernement chinois laissera-t-il tomber Evergrande? Compte tenu de ce que je viens de vous rappeler, on peut en douter, parce que ce qui s'est passé en 2008, évidemment, ça n'a pas été que la faillite d'Lehman Brothers, ça a été l'effondrement du système financier occidental. Alors, on verra. Cela dit, encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est pas de d'épiloguer sur ce qui se produira pour cette société chinoise et les conséquences que cela peut avoir, c'est plutôt d'en tirer les leçons, c'est-à-dire que on a dans cette affaire une nouvelle preuve que, par l'expérience, qu'au-delà d'un certain niveau d'endettement dans l'économie, le resserrement monétaire est potentiellement dévastateur. Disons autrement, à chaque fois qu'on essaie de faire un resserrement monétaire depuis 2004, puisque la genèse de 2008, de la crise de 2008, c'est ce qui se passait aux États-Unis, c'est le resserrement monétaire qui était en cours aux États-Unis depuis 2004, eh bien, on ne peut pas dire que ça apporte des résultats favorables. Alors, on vient de voir pour la Chine la forme que prend le redressement monétaire. En Union européenne et en Occident, aux États-Unis, le resserrement monétaire, ça passe par la hausse des taux, ça passe aussi par la cessation de la planche à billets. Hausse des taux, cessation de la planche à billets, ou planche à billets open bar, et baisse des taux, ou taux faible, tout ça va ensemble, évidemment. Nous, notre façon d'agir, c'est donc directement sur la monnaie. Bon. Alors, s'il advenait que l'on cesse la planche à billets, alors que plus le temps passe, on s'aperçoit qu'on en a de plus en plus besoin, bien on comprend que l'effondrement de l'économie serait immédiat. Alors, bien évidemment, ce que font les autorités monétaires, ce n'est pas d'arrêter d'un coup la planche à billets. Elles essayent de la freiner. Mais la simple tentative de freiner la planche à billets ou de remonter un peu les taux ou de faire les deux à la fois, ça se traduit, ça, très vite ça tourne mal. Et c'est ça qui est quelque part désespérant. Aux États-Unis, la dernière tentative qui avait été faite, ça avait été en 2016, où le président de la Banque centrale d'alors, qui est donc monsieur, enfin, qui était et qui est toujours monsieur Powell, Jerome Powell, avait commencé doucement à remonter les taux, bon, en expliquant qu'en fait, la santé de l'économie américaine permettait de le faire. Très bien. Et puis, deux ans après, à fin 2018, les marchés, en quelques jours, avaient commencé à s'effondrer. Aux États-Unis, on était, je crois, en une semaine, ils avaient perdu 25%. Ou en quatre jours, quelque chose, ils avaient perdu 25%. Donc, c'est un crack. Alors, ce crack, on l'a oublié, parce que immédiatement, Powell compris que son discours et son analyse depuis deux ans étaient totalement erronés et que les marchés avaient absolument besoin que l'on rétablisse les taux bas. Donc tout de suite, il a fait amende honorable, d'une manière un peu diplomatique évidemment, il ne s'est pas couvert la tête de cendre devant les caméras de télé, et il a basculé sa politique monétaire d'une politique de hausse des taux à une politique de baisse très rapide des taux, ce qui a mis fin à la crise boursière. Et les choses sont reparties comme avant. Comme avant, c'est-à-dire
économie et marché financier soutenu à plein pot par la création monétaire. Alors c'est là que je veux en venir dans cette vidéo, c'est la conclusion qui devrait s'imposer à tous les observateurs depuis maintenant des années, c'est que la planche à billets continuera parce qu'on ne sait pas l'arrêter sans tout faire sauter. Jusqu'à quand ? Ben le terminus, ça sera le moment où la monnaie sera tellement affaiblie qu'il faudra en inventer une autre. C'est comme ça, ça s'est déjà produit ce genre de choses. Dans l'intervalle, l'épargne sera détruite. Alors qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Ben, ce qui me permet de dire ça, c'est que l'épargne, c'est essentiellement... ce qui fait l'épargne dans les pays développés, c'est essentiellement, ce sont des dettes. Quand vous achetez des obligations d'entreprise, vous êtes créancier de cette entreprise. Quand vous achetez des obligations d'État, vous êtes créancier de l'État. Quand vous achetez des livrets bancaires, enfin, quand vous placez votre argent dans des livrets bancaires, vous êtes créancier de la banque. Et à partir du moment où la monnaie s'effondre, même si ça se fait lentement, eh bien, votre épargne, elle ne vaut rien. Ce qui continuera à valoir, ce sont les choses qui existent vraiment. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les biens tangibles. Donc les biens tangibles, on cite toujours la terre, l'immobilier, c'est parfaitement vrai, mais les biens tangibles, regardez autour de vous, tout ce qui est matériel est tangible. Bien sûr, tout n'est pas, ne peut pas servir de support à des investissements parce que tout n'est pas liquide, tout n'est pas facilement monnayable, ça c'est un autre sujet. Mais comme il y a un bien tangible qui, lui, s'impose à tous, ce sont les actions d'entreprise, le fait de participer à des entreprises, si, mais évidemment, ce ne sont pas des entreprises financières, si ce ne sont pas des entreprises qui elles-mêmes ont prêté de l'argent massivement à d'autres entreprises, mais enfin, ça existe, elles, ces actions, garderont leur valeur, même si momentanément leur cours baisse parce qu'il y a une crise financière globale, ces actions représentent quelque chose de vrai, donc elles garderont leur valeur. Et ça, c'est important à retenir. Donc le moment du résumé est arrivé, et ce qui me vient à l'esprit pour quelque part synthétiser ce qu'on vient de se dire, vous vous rappelez de ce que disait Mme Thatcher, qui était extrêmement antisocialiste et avec d'ailleurs des analyses puissantes et aiguës, elle avait cette formule que j'ai trouvée parfaite, qui est « le socialisme prend fin avec l'argent des autres ». Elle disait ça notamment pour expliquer la chute de l'URSS, puisque parmi ce qui a entraîné la chute de l'URSS, il y a eu la fin des concours financiers des Américains. Voilà. Alors, en ce qui concerne la planche à billets, moi j'ai envie de dire que la planche à billets prend fin avec la valeur de la monnaie. Donc la catastrophe monétaire se rapproche, et jusqu'à maintenant, nul ne sait l'arrêter, nul n'a su l'arrêter. La vidéo est terminée sur ces paroles optimistes. Dites-moi en commentaire quelles sont à votre avis les conséquences de l'affaire Evergrande sur nos patrimoines. Vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos questions patrimoniales en commandant un coaching par le lien accessible via le plus BLES majuscule, comme d'habitude, au sud de la zone des commentaires. Pensez à partager et à liker, très important pour la chaîne. J'aimerais que nous arrivions rapidement aux 5000 abonnés. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa apparition, cliquez sur la cloche. À bientôt !